Donc rapidement, les folies web, qu'est-ce que c'est? C'est donc on organise des événements gratuits pour aider les TPE à réussir sur Internet, comme vous pouvez le voir. Bon, malheureusement, avec le contexte actuel, on ne peut pas créer d'ateliers comme d'habitude. Donc du coup, on a misé la totalité sur les webinars. Donc on crée des sessions en ligne, donc des folies webinars, comme vous pouvez le voir. C'est assez simple, comme vous faites aujourd'hui un webinar. On a aussi d'autres formats comme le café coaching qui est de 45 minutes où vous faites un échange complet avec l'intervenant sans diapositive, sans slide, sans rien, juste des questions sur un sujet assez vaste. Donc pour ce qui est des webinars, tous nos replays sont présents sur notre chaîne YouTube, donc les Folies Web. Donc celui-ci sera aussi présent plus tard sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Et enfin, nous sommes aussi présents donc sur Internet, au niveau du site Internet et sur nos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur notre site. Je vous mets le lien directement dans le chat. Ça peut être intéressant pour réagir sur nos réseaux sociaux et voir le programme et tout ça. Donc, les Folies Web, qu'est-ce que c'est? C'est aussi, ça existe aussi grâce à nos partenaires, donc Réussir en .fr, Yonos et Nos Caminos. Donc, je vais vous en parler assez brièvement par la suite. Donc, Réussir en .fr, ça a été créé par la FNIC. C'est en fait une association qui s'occupe de tout ce qui est les adresses en .fr, donc les noms de domaine, votre nom de site internet en .fr. Il y a les .com et les .fr. Les Folies Web, par exemple, sont en .fr. Réussir en .fr et la FNIC donc, vous proposent un programme d'accompagnement complet et gratuit qui peuvent donc du coup vous aider à choisir votre nom de domaine, comme je vous l'ai dit, mais aussi avec un outil d'autodiagnostic, pardon, qui peut être intéressant en début d'année, donc refaire un peu le point sur tout ce qui se passe et pouvoir utiliser ceci pour la suite. Donc c'est un outil d'autodiagnostic pardon, qui se joue en 10 minutes. Plein de questions assez variées, par exemple sur vos réseaux sociaux, sur ce que vous utilisez comme communication, tout ça. Et à la fin, vous avez un bilan personnalisé que vous recevez par mail. Donc si vous êtes intéressé, je vous ai mis le lien dans le chat. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous pouvez aller voir et faire votre auto-diagnostic. Par la suite, nous avons aussi Yonos. Donc Yonos soutient l'activité des entreprises avec des offres très variées, donc comme par exemple le nom de domaine dont on venait de parler, l'hébergement web ou l'email professionnel. Il propose aussi plein d'autres choses, mais bon, c'est des choses un peu plus compliquées, un peu plus complexes qu'il pourrait vous expliquer beaucoup mieux que nous. Donc Yonos, ils vous proposent donc de lancer votre site internet grâce à leur logiciel qui s'appelle My Website Now. Donc c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un site internet assez simple, assez poussé, mais de manière donc encore une fois assez simple. Ils vous proposent aussi, en plus de ce site, d'avoir votre nom de domaine en .fr. Et enfin, pour Neo Camino, pour ceux qui ont répondu au petit sondage que je vous avais mis dans l'onglet sondage, si vous n'avez pas répondu oui aux deux questions qui étaient savez-vous quelle action mettre en place dans les 30 prochains jours et avez-vous le bon plan numérique pour atteindre vos objectifs, ça veut dire que vous avez peut-être besoin de conseils ou d'un suivi que peut vous proposer Neo Camino. Donc Neo Camino, en fait, aide les TPE et dans la poursuite, dans la poursuite et dans le. La recherche au niveau de l'optimisation, tout ce qui est dans le digital. Et ici, on vous propose donc de passer à l'action avec eux, avec un rendez-vous, avec un professionnel du domaine, afin de voir, de faire un peu un auto-diagnostic, pardon, pendant 30 minutes. Seulement, il n'y a que 10 places par semaine. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans le chat encore une fois. Et vu qu'on est en. Un peu en milieu de semaine, si vous êtes intéressé, je vous conseille d'aller prendre rendez-vous dès maintenant. Donc voilà, j'arrête de parler, promis, après ça. Je vais vous glisser dans le chat encore une fois le questionnaire satisfaction qui va vous permettre à la suite de cela de pouvoir recevoir la présentation de ce webinaire. Et enfin, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de mettre toutes vos questions dans l'onglet questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Ça permettra pour plus tard pour Guillaume d'avoir un maximum d'informations et de ne pas avoir à remonter le chat au fur et à mesure. C'est très important et très pratique pour la suite. Voilà Guillaume, je vous laisse faire ce webinaire à tous. Très bon webinaire et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors, apparemment, tout le monde m'entend, donc c'est bon. Alors, je vais me présenter rapidement.
Donc, moi, je suis le fondateur de l'agence Mindfruit, qui se situe dans le sud de la France. On est à Aix-en-Provence, on a des locaux à Paris aussi. Et on intervient en marketing digital global pour un grand nombre d'entreprises. Et en parallèle, dans les autres petites choses, je suis toujours prof, je suis un vieux prof, un vieux de la vieille, dans le digital depuis 99, conférencier, etc. On est auteur d'un bouquin qui s'appelle Web Marketing, qui est un joli pavé où vous avez tout dedans, je le précise, qui est un voilà. Il y aura une nouvelle édition, mais comme il fait 800 pages, la nouvelle édition, ce sera dans un an. Donc, elle est toujours accessible. Ça, je vous le passe. Voilà, ça, c'est pour vous dire ce qu'on fait. On intervient autour de tous les univers du digital. Donc, le SEO, le SEA, le SMO, le SMA. Moi, je suis assez spécialisé en référencement naturel, stratégie beaucoup, et analytics, tout ce qui est data, qui est un petit peu mon, qui est un petit peu mon dada, et c'est ce dont on va parler. Et en parallèle, donc, on est agence et on est centre de formation depuis, depuis le début aussi. Voilà, je reste pas trop longtemps là-dessus. Nos clients, on a de tout, du petit, du moyen et du très gros, et en ce moment, on fait beaucoup de ads. Beaucoup, beaucoup de ads. Voilà. Je vais pas plus loin, je vous saoule pas avec tout ce que je fais. Si vous voulez me trouver, vous me trouverez. Je suis très LinkedIn. Guillaume Méhouzan sur LinkedIn, si vous voulez prendre contact, ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler de analytics d'une façon normalement assez simple. Je vous rappelle qu'il y a, il y aura le replay après, parce que j'ai une spécialité, j'ai vu qu'il y en a qui me connaissent là. Ma spécificité, c'est d'être assez speed. On a très peu de temps, je vais essayer de tenir en 30-35 minutes pour pouvoir répondre aux questions. Donc, on va avoir beaucoup de choses, il y aura un replay. Je vais être au début dans la presse un petit peu, mais vous allez voir que je vais zapper avec Analytics directement. Donc, ça me fera faire des petites manips à l'écran. Alors, c'est parti pour Analytics. Premier point déjà, là, je vais vous présenter l'Analytics actuel. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a un nouveau Google Analytics qui arrive, qu'on appelle G4, qui est super compliqué pour le moment. Qui est, voilà, il est en version bêta, donc vous avez encore 6 mois, 1 an devant vous. Vous pouvez déjà l'installer. Vous pouvez faire cohabiter les deux analytics. Après, si vous n'êtes pas un spécialiste d'analytics, je vous recommande pas pour le moment de mettre G4. Moi, je rame encore dedans. Je commence à capter petit à petit. C'est pas du tout la même version. C'est pas du tout la même approche. Donc, pour le moment, focalisez-vous sur l'analytics. La version actuelle, elle va perdurer pendant assez longtemps, je pense, avant que la nouvelle arrive. Ensuite. Alors, j'ai mis des petits points au départ parce que c'est des choses qu'on nous demande tout le temps. Donc, premier petit point, comment partager Google Analytics? Alors, je vais vous partager mon écran. Hop, vite fait. Je vais vous montrer. Alors, vous allez voir que ce n'est pas hyper pratique. Alors, attendez, mon partage d'écran. J'arrive. Hop. Voilà. Alors, bougez pas. Hein. Je suis là. Ta-da-da-da-p. Voilà, normalement, hop, 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 faut pas que je me perde. Je me suis perdu. J'en reviens. Je me suis perdu avec mes deux écrans. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Vous avez les slides. Alors, quand on, donc ça, c'était G4. On le passe. Voilà. Je vous montre quand vous les partagez. En fait, un Analytics, vous cliquez ici sur la petite roue. Et ici, vous avez la gestion des utilisateurs. Quand quelqu'un, une agence, par exemple, nous, on demande très souvent le partage d'écran, bah, vous cliquez sur « Gestion des utilisateurs » et là, vous allez pouvoir ajouter le mail que la personne va vous demander d'ajouter. Si ici, vous n'avez rien, sauf votre mail à vous, c'est que vous n'êtes pas administrateur de votre propre compte. Vous devez être administrateur de votre propre compte. Pour être administrateur, vous voyez, et vous en Guillaume, là, ce mail-là, il est admin. Hop, j'ai tout. Modifier, collaborer, lire, gérer les utilisateurs. Donc, ça, c'est très, très important. Deuxième point que je vais vous montrer. Alors, attendez, je regarde dans mes slides. On est bon. Allez, je vais continuer ici, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, deuxième point à montrer. Je vérifie. Excusez-moi, hein, c'est parce que le double écran par moment. Voilà. Je reviens. Hop là. Avec ce truc horrible. Donc là, hop, on va arrêter le partage. J'arrive pas à arrêter le partage, c'est ballot. Hein. Bon, bougez pas. Voilà. Donc, partage, c'est bon.
Ok, alors ensuite, je vais vous montrer un autre petit point que vous ne connaissez pas en général, c'est le système qu'on appelle d'annotation. Donc, le système d'annotation, c'est fondamental. Vous devez raconter la vie de votre site dessus. Donc, c'est un petit onglet que vous avez en dessous de la courbe, systématiquement. Quand vous avez la courbe, vous avez un tout petit truc comme ça, là, le petit picto. Vous voyez, par exemple, sur ce site-là, là, on a toutes les annotations. Migration du site, alors allocution Macron, c'était pour voir si derrière il se passait des choses, des optimisations, les ventes privées. Ça permet de comprendre les pics, par exemple, les dates, voilà, le confinement, etc., etc., plus les mises à jour. Très, très important de raconter la vie de votre site dans les annotations. Ça permet de faire une analyse beaucoup plus simple. Je continue dans les petits trucs simples. Alors, là, on rentre pas dans le simple du tout. Maintenant, autre point très important, parce que je vais l'utiliser après, je vais vous montrer ce qu'on appelle les segments avancés sur Google Analytics. Alors, je repartage. Voilà, normalement, vous avez, hop là, je le barre ici, et vous avez, voilà. Quand vous êtes dans votre Analytics, je vais faire ça, hop là. On va annuler là, voilà. Où que vous soyez dans Analytics, vous avez ici. Le truc pour cliquer sur les segments avancés. Les segments avancés, ce qu'on appelle des filtres. Donc, vous avez segments système notamment. Et ça va vous permettre de parfaitement filtrer déjà tout ce que vous voulez. Après, vous pouvez créer vos filtres, hein. Je précise, la création de filtres, ça peut être un peu costaud par moment, hein. Il y a de quoi faire. Mais déjà, si vous utilisez bien les segments système, exemple, je ne veux que mon trafic mobile. Donc, j'enlève tous les utilisateurs, je veux uniquement analyser mon trafic mobile, tac, je valide. Et maintenant, tout le trafic que j'ai ici, ce n'est que du trafic mobile. D'accord? Donc, filtrer, filtrer, filtrer à fond. Moi, je passe ma vie à filtrer, c'est comme ça qu'on arrive à récupérer des infos. Du coup, je vous montre une petite astuce qui est dans les slides, mais ça m'évite de repartir dans les slides. Très souvent, quand vous allez analyser votre trafic, vous analysez tout votre trafic sans filtrer. Alors, je vous montrais par exemple un petit truc assez sympa à faire, c'est le fait de comparer votre trafic global et vos clients, vos buyer persona. Alors, comme je sais qu'en général, avec comment ça s'appelle, avec vous au FolyWeb, c'est rarement e-commerce. Je vais vous montrer des choses qui ne sont pas nécessairement que e-commerce. Alors, exemple. Là, j'ai tous les utilisateurs. Je vais créer un nom. Je vais me mettre ici, segment avancé. Et là, je vais sélectionner le segment système, session. Donc là, en l'occurrence, c'est e-commerce avec transaction. D'accord? J'applique. Donc là, c'est un des sites de Google, ça. Donc là, sur ce site, maintenant, ici, j'ai un onglet avec tous mes visiteurs. Donc, par exemple, je peux m'amuser à regarder au niveau mobile ma typologie de trafic globale. Donc là, on va regarder la typo de trafic. Donc là, j'ai ma typologie de trafic. Donc ma typologie de trafic sur ce site, 66% ordi, mobile 31%. Maintenant, je vais voir mes acheteurs. Donc mes fameux buyer persona. Donc là, j'ai mon vrai buyer persona. Celui-là, il n'est pas marketing. C'est mes vrais acheteurs. Alors, est-ce que j'ai la même proportion ou pas? On va regarder. Alors là, ce n'est pas du tout pareil. Vous voyez, j'ai 92% ordi et en acheteur, j'ai que 7% mobile. Bon, ça, c'est un classique parce que sur mobile, on a des taux de conversion plus faibles. Donc, l'idée là, c'est de vous montrer vraiment les segments avancés. Allez-y, baladez-vous dedans, testez-les, essayez-les, croisez-les. Vous pouvez en mettre plusieurs. Alors après qu'on en met beaucoup, par moment, c'est un petit peu compliqué à lire. Vous en avez un qui est très sympa à faire, c'est de comparer les sessions avec rebond et les sessions hors rebond sur le même. Donc ça, normalement, c'est les sessions avec rebond, c'est une page vue. Donc c'est les gens qui arrivent sur votre site, qui ne regardent qu'une page et qui quittent le site. Et les sessions hors rebond, c'est ceux qui continuent. Ben là, vous allez pouvoir comparer les deux. Donc, alors, sessions avec rebond, en général, c'est les visites pas bonnes du tout. Et hors rebond, c'est les meilleures visites. Donc, vous pouvez vous amuser à comparer. Alors là, ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir le mobile, mais par exemple, c'est d'aller regarder vos sources de trafic. Voilà, je peux aller voir tout le trafic. Est-ce que j'ai les mêmes taux avec rebond et hors rebond en fonction de mes sources de trafic? Exemple, si vous faites du Ads, bah regardez le taux de rebond que vous avez en Ads, parce qu'en général, il est assez élevé et il ne faut pas qu'il soit élevé puisque vous payez le trafic.
Donc, vous voyez, vous pouvez tout comparer et par moment, vous rendre compte, là, par exemple, paid search pour Google, session avec rebond 15%, hors rebond 6%. Ben, ils en ont plus avec rebond. Là, c'est léger. Hein. Nous, souvent, c'est plutôt sur des campagnes mal faites qu'on récupère les stats. On va avoir session avec rebond 50, 60, 70%, voire plus. Donc, voilà, comparer ces choses-là, utiliser vraiment les segments avancés, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Alors, on va repartir un peu. Je vais aller rechercher mon petit onglet là. On va repartir un petit peu dans la presse. Voilà, super. Hop, donc le buyer persona, je vous ai montré. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on crée un objectif de conversion. Pareil, c'est très facile. Il faut juste savoir où c'est. Si vous êtes en B2B ou B2C hors e-commerce, c'est extrêmement important. Le but, ça va être de pouvoir suivre les formulaires notamment. Alors, je repars, hop là, dans l'Analytics. Attendez. Hop, on est bon. Alors, normalement, j'ai déjà ouvert un onglet pour aller vite. Voilà. Donc, pour trouver les objectifs de conversion, regardez. Vous allez voir, c'est super facile. Toujours dans les paramètres ici, d'accord ? Normalement, il faut être gestionnaire du compte, sinon il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et ici, vous avez les objectifs. Donc, par exemple, là, c'est pour notre site. On a un seul objectif sur Analytics, c'est les gens qui ont rempli le formulaire de contact. Quand on remplit un formulaire de contact, normalement, si on fait bien les choses, il vaut mieux, c'est plus simple. Alors, ça, c'est normal. Hop, voilà, blablabla. Sujet, obtenir plus d'infos, ma problématique web stratégie globale, mon site, bon, je ne l'ai pas mis, etc. Tac, tac, tac. Alors, je mets test. Voilà. Et j'envoie ma demande. Et là, nous, sur notre site, on a une page de remerciement. Normalement, ils font tous en avoir une. Hein. Cette page, elle a cette URL-là. Ça veut dire que toute personne passée par cette page, obligatoirement, a vraiment rempli le formulaire. Donc, mon but, c'est de tracer cette page. Il y a plein de façons de la tracer. D'accord, dans Analytics, on peut créer un segment avec cette page, mais le mieux, c'est effectivement d'aller tranquillement se créer un objectif de conversion. Donc, je vais vous montrer celui-là. Celui-là, c'est un objectif simple. On peut créer des entonnoirs, notamment. Donc, vous voyez, regardez, configuration, on a mis quoi ? Voilà, créer un compte, une inscription, quoi. On continue. Ensuite, on a description de l'objectif. On a marqué contact pour nous. Donc, c'est formulaire rempli, nous, on le sait. Destination, c'est une page. D'accord ? Vous pouvez mettre d'autres choses. Et là, bah, l'objectif, il est simple. C'est est égal à et on a mis l'URL de la page. Attention, on ne met pas le www. On met juste ce qu'il y a avec le slash. D'accord ? Là, normalement, c'est mindfoods.biz/message bien envoyé. Et à partir du moment où je l'ai enregistré, hop là, annuler, on va faire ça. Bah, vous allez retrouver dans vos objectifs de conversion, vous allez pouvoir retrouver vos objectifs. Si par exemple, je vous prends, on va prendre le site de notre ami Google, vous voyez, eux, ici, ils ont tous leurs objectifs. Purchase complète, objectif 2, objectif 3, objectif 4. En fait, vous allez tout retrouver, tous les objectifs de conversion que vous allez créer. N'en créez pas trop. Hein. Si vous avez un seul formulaire sur le site, ne créez qu'un objectif. D'accord ? Je regarde les petites remarques. Non, c'est pas. Je vois le high level. Je vous rassure, c'est pas high level. C'est juste les bases et les fondamentaux pour pouvoir analyser. Après, on va aller se balader. Ne vous inquiétez pas. Donc, ensuite, bah, ici, vous allez avoir. Voilà, tous les objectifs que vous voulez suivre, étudier. Alors, sauf que là, je suis resté avec mes rebonds et mes hors rebonds. Hop là. On va virer, on va prendre tous mes objectifs, supprimer, voilà. Et donc là, vous pouvez vérifier vos objectifs. Et le truc qui est top après, c'est que vous pourrez créer un segment avancé, le mettre en place. Vous les avez normalement avec vos objectifs, je ne sais plus s'ils sont dans segment système ou pas. Non, donc du coup, vous pouvez le créer très facilement. Vous créez un segment, je crois qu'il était dans les objectifs. Donc là, par exemple… ça peut être un suivi d'objectifs. Donc, moi, en général, action, événement, je… Ouais, Guillaume, désolé de te couper la parole, mais est-ce qu'il serait possible, avec de nombreuses demandes, de ralentir un peu lorsque tu expliques les choses et de peut-être
comment dire, définir certains termes pour, on va Lesquels? dire, adapter le niveau à ce qui est Il est demandé. simple le niveau là. Merci. Ok. Ah ouais, mais là, je suis en train de regarder, il y en a qui partent. Ouais, mais bon, si on n'a pas les bases, compliqué après d'analyser le site, quoi. Donc, alors du coup, je vais reprendre un peu plus tranquillement, mais là, vous pouvez intégrer vos objectifs de conversion, ce qui vous permettra ensuite de suivre ce qui est fondamental, ce qui est la base, le nombre de formulaires remplis. Si vous n'avez pas. Alors, ceux qui commencent à s'inquiéter, restez après, ça va, je vais vous balader là-dedans. Mais si je ne vous montre pas avant ces infos-là, derrière, ça ne sert à rien d'analyser. C'est pour ça que je vous le montre tout de suite. Donc, après, le fait d'avoir des objectifs de conversion, bah, vous pourrez suivre vos nombres de formulaires remplis. Si vous ne les suivez pas, si vous ne connaissez pas les sources de formulaires, par quelle page les gens sont rentrés, bah, c'est triste parce que derrière, ça ne va pas vous aider. Alors, je vais reprendre du coup dans les slides. Du coup, je vais aller rapidement à la balade dans Analytics, qui sera peut-être effectivement plus simple pour certains. Alors, je passe les tags UTM parce que alors là, sinon, on n'aura plus personne. Donc, je précise pour quand même pour ceux qui veulent. OK, Cathy, bougez pas, 2 secondes. Alors ça, je finis pour ceux qui s'y connaissent un peu. Le système de tags, c'est un système que tout le monde fait. Normalement, quand vous faites un post sur les réseaux sociaux, quand vous faites un post sur LinkedIn, quand même quand vous faites des bannières de pub, etc., etc., il est fondamental de créer des petits tags. C'est tout bête à faire. Je prends l'URL de mon site, je les nomme, et après, j'ai une URL que je vais intégrer au lieu de mettre le lien. Je vais mettre, continuer, ouais. Je vais mettre ce lien-là à la place de mon lien classique. Donc, c'est le même lien avec un tag derrière. Et pareil, dans Analytics, ça vous permettra de suivre toutes vos campagnes de com. De savoir, par exemple, qu'on fait un post sur LinkedIn, si ça sert à quelque chose ou si personne n'est revenu sur votre site après. Donc, je vais passer au truc simple. De toute façon, vous aurez la presse après. Voilà. Allez, on va aller dans les points fondamentaux, comme ça. Tous ceux qui sont là. Allez, j'y retourne. Donc, je vous fais Analytics en mode plus simple, du coup. Je reviens dans la base, base, base. Alors, quand vous êtes dans Analytics, je vais prendre le nôtre, c'est plus simple. Voilà. Hop là. Donc, quand vous êtes dans Analytics, je vais vous montrer les grands fondamentaux d'Analytics. Vous arrivez, alors je vous passe personnalisation temps réel, du coup, complexe. Alors, en général, vous arrivez sur la page d'accueil, c'est ce qu'on appelle la vue d'ensemble, qui est un truc qui est. Hop là, voilà. Là, ça vous donne vos infos globales sur le site internet. Donc, c'est simple. Vos utilisateurs, en fait, ce qu'on appelle les visiteurs. Les sessions, c'est ce qu'on appelle les visites. D'accord? Ensuite, vous avez le nombre de pages vues, etc. Là, le taux de rebond, c'est le fameux. Alors, c'est ce qui va changer dans la nouvelle version d'Analytics. Dans la nouvelle version d'Analytics, vous n'aurez plus cette notion de taux de rebond, ce sera plus du tout la même chose. Aujourd'hui, on l'étudie beaucoup parce que, par exemple, si vous avez un taux de rebond de 80-90%, ça veut dire que les gens, en moyenne, qui arrivent sur votre site, 8 à 9 sur 10, ne regardent qu'une page et quittent votre site. Donc, il faut essayer de faire attention d'avoir un taux de rebond. Voilà, nous, on a 30%, ce qui est top. Faut toujours essayer d'avoir un taux de rebond inférieur à 50%. Sinon, c'est compliqué. Après, si vous avez un site avec une seule page, vous aurez toujours un taux de rebond de 100% en général. Maintenant, je vais vous montrer les éléments. Donc, vous avez une partie audience. Ensuite, donc audience, c'est votre typologie d'audience. Je vous montre après. Vous avez acquisition, c'est vos sources de trafic. Le comportement, c'est ce qui se passe sur. On ne voit pas votre écran Google Analytics. Hop, hop. Là, c'est bon ou pas? Dites-moi si c'est OK. OK, merci. Donc, je reprends. Comportement, c'est ce que les gens font sur votre site. Et conversion, c'est le suivi de conversion. Alors, conversion dans Analytics est ultra bien développée pour le e-commerce. Pour B2B, B2C, juste avec formulaire, c'est plus light quand même. Il y a moins d'infos. Alors, je remonte et là, je vais vous montrer ce qui est vraiment important à auditer, à regarder. Ici, vous avez les données démographiques. Donc, vue d'ensemble. Je ne sais plus normalement mon compte s'il est bien plugué sur ce. Ouais. Donc ça, vous devez normalement, pour disposer de ces stats, vous avez un outil qui s'appelle Search Console. Normalement, pour bénéficier de ces stats, il faut aussi avoir mis en place la Search Console, qui est un outil pour le référencement naturel, qui est un outil de Google.
Et après, ça vous permettra de récupérer, si vous mettez compte Google Ads aussi, ça vous permettra de savoir homme, femme, âge, sexe. Il y en a, ça ne sert strictement à rien comme info. Suivant ce que vous faites, ça a une utilité. Les centres d'intérêt ici, quand vous lisez comme ça, c'est très peu passionnant parce qu'en gros, on a le sentiment que c'est un peu toujours la même chose. La vraie utilité de cette partie-là, c'est qu'en fait, du Google Ads, parce que vous pourrez créer des audiences grâce à ça. Donc ça, ça peut être pratique uniquement pour les audiences. Pour le reste, quand vous le regardez, dire tout le monde est shopper value, tout le monde est média quelque chose, etc., etc. Données géographiques, alors important en fonction de votre business. Nous, on le constate notamment pour nos e-commerçants, même quand ils ne pensaient pas faire de l'international, ils en font pas mal. Vous voyez, nous, on est un site d'agence. On a des clients à l'international. On a 64% plus les 23%, ouais, on a 90% du trafic, c'est du français. On a un petit peu d'autres langues, d'accord ? Donc, ça, c'est les langues que parlent les ordinateurs des gens. Et si vous voulez savoir où ils sont quand ils se connectent, c'est la zone géographique. Voilà, ça vous permet de savoir exactement. Pour info, vous amuserez à cliquer, vous pouvez avoir le moindre village. Donc, c'est très intéressant parce que suivant votre activité, si elle est locale, régionale, ça peut vous permettre aussi pour vous d'avoir un maximum d'informations sur la géolocalisation de vos internautes, donc de vos cibles. Point extrêmement important, c'est celui-là, mobile. Actuellement, on a une explosion du trafic mobile. Cette explosion du trafic mobile, elle est fondamentale à suivre parce que la majorité des sites, très souvent, alors je suppose que vous connaissez tous ce fameux terme de responsive design. Le problème du responsive design, c'est qu'il y a responsive design, il y a responsive design. Vous avez des sites qui ne sont pas du tout responsive design, alors qu'officiellement, ils le sont. Et du coup, vous pouvez le constater dans votre trafic mobile. Très souvent, nous, on repère des sites où le taux de rebond qui est ici en mobile est extrêmement élevé. Ça veut dire que le site n'est pas du tout adapté au mobile. Juste pour rappel, il y a plein d'outils pour vérifier son site est mobile. Vous avez une astuce à 2 balles. C'est vous prenez votre fenêtre, voilà, vous la réduisez comme ça. Alors là, c'est Analytics, vous voyez, qui n'est pas du tout adapté au mobile. Et vous verrez si votre site s'adapte au mobile. C'est déjà tout bête. Mais c'est très intéressant. Regardez, autre point, si vous êtes e-commerçant, fondamental, ici, vous aurez les conversions. Donc moi, hop, voilà, nous, on n'a pas. Et le tracking, voilà. Ici, vous aurez pour vous, si vous êtes e-commerçant, vos taux de conversion entre desktop et mobile. Et vous verrez très souvent, si vous êtes e-commerçant, que si vous avez un taux de conversion qui est plus de 3 fois inférieur, exemple, vous avez 3% de taux de conversion en e-commerce, 1% seulement en mobile, d'accord ? 3% desktop, 1% mobile, bah ça veut dire que votre site n'est pas parfaitement adapté mobile. Donc, surveillez vraiment cet onglet. Il est hyper important. Le reste, je le passe. Ce n'est pas fondamental au départ quand on n'est pas spécialiste. Ensuite, acquisition. Donc, moi, c'est mon onglet fétiche. En gros, quand je récupère les stats d'un trafic, le premier truc que je fais, je vais dans acquisition, tout le trafic, canaux, et je vais regarder immédiatement. Alors, je vais vous le mettre sur un site e-commerce, sur un des sites de Google e-commerce, parce qu'au moins, il y aura plus de data sympa normalement chez Google. Donc, ça, c'est une boutique en ligne de Google. Hop, tout le trafic, canaux. Donc, ça, c'est la base pour capter. Alors, je regarde, c'est combien un bon taux de conversion en mobile ? Je vois la question, j'étais sur le taux de compte. Donc, Françoise, il n'y a pas de bon taux de conversion en mobile. En e-commerce, par exemple, le taux de conversion moyen, paraît-il, en France, serait de 2,4%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, vous avez 1% des sites e-commerce en France. Donc, il y a 200 000 sites e-commerce et 1% qui ont des taux de conversion de 2, 3%, peut-être un peu plus. Vous avez 5, 6, 7% des sites e-commerce qui ont des taux de conversion situés entre 1 et 2. Et après, vous avez 90% des sites e-commerce qui ont des taux de conversion de 0,1, 0,2, 0,4, 0,5. Et très souvent en mobile, c'est 2 à 3 fois inférieur. Voilà. C'est juste qu'il faut y aller hein, pour acheter en mobile. Ce n'est pas toujours simple. Voilà. J'espère que j'ai répondu. Après, je répondrai aux autres questions après sans problème. Donc voilà, quand vous avez canaux, là, j'ai toutes mes sources de trafic, tous mes canaux de trafic. Ça, c'est le truc le plus important à étudier. Vous avez
L'organique, alors pour Google, c'est bizarre, leur site est mal référencé. Ça, en général, c'est votre première source de trafic, c'est votre référencement naturel. Normalement, il est premier, d'accord ? Donc, il faut toujours regarder votre proportion et puis de préférence de voir que ça augmente. Plus vous optimisez le référencement de votre site, plus votre trafic organique, il doit monter. Donc, quand vous l'étudiez sur une grosse période, c'est bien d'avoir une courbe qui monte. Ensuite, vous allez avoir le trafic direct, ceux qui mettent l'URL directement ici, le paid search, Google Ads, ça, c'est de l'affiliation, ça, c'est quand vous faites de la pub bannière. Et ça, alors, c'est le social media. Attention, si vous faites un peu de Facebook Ads, notamment avec le fameux sur Facebook, le truc simple, c'est pas la bonne idée, hein, mais le truc simple de pusher un post, les stats, elles arriveront dans social, elles sont pas découpées. Ça veut dire que vous n'avez pas la différence entre le ads et ce qui n'est pas ads. Si vous voulez vraiment arriver à découper les choses, il faut ce que je vous n'ai pas expliqué, puisque j'ai vu qu'il y en avait qui trouvaient que c'était trop compliqué. Il faudra travailler ce qu'on appelle, je pourrais le reprendre tout à l'heure après, faut travailler ce qu'on appelle des UTM. Ça veut dire, au lieu de mettre cette URL-là dans mon post Facebook ou dans mon post LinkedIn, ou post sponsorisé ou pas sponsorisé, vous voyez, campagne, imaginons que je veuille faire un post LinkedIn avec ça, je mets l'URL là, je mets LinkedIn ici, post LinkedIn ici, là, c'est le nom de mon truc, article LinkedIn replay, et ça me donne une URL, vous voyez, c'est la même URL. Exactement la même, plus ça, ce qu'on appelle un tag. Et ça, ça pointe vers la même page. Sauf que ça veut dire que dans Analytics, vous pourrez le retrouver très facilement dans un onglet ici qui s'appelle campagne. Et du coup, vous verrez au moins tout le boulot que vous faites si ça sert à quelque chose. Alors, je continue. Donc voilà, trafic, ici, il faut vraiment l'étudier. Ensuite, vous avez plus de détails. Quand vous faites des ads ici, vous aurez tout le détail de vos Google Ads. C'est très important si vous faites du Google Ads de ne pas rester que dans la plateforme Google Ads. Moi, je dis toujours, la plateforme Google Ads, c'est du quantitatif. Et là, c'est du qualitatif. Savoir que vous avez eu 2000 clics ce mois-ci, super. Vous avez claqué du fric pour 2000 clics. Maintenant, ce serait bien de savoir combien ça vous rapporte. Pour avoir plus de détails dans combien ça vous rapporte et la qualité de votre trafic ads, c'est ici. Donc là, vous aurez vos mots-clés, les requêtes de recherche. Et à chaque fois, vous verrez la qualité de ce trafic. Je continue. Ici, c'est la Search Console. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Google Search Console, qui est un outil extrêmement important qu'il faut toujours installer. Faites-le installer par vos développeurs. Hein. C'est comme Analytics, c'est une ligne de code. Et ça vous permet notamment de connaître vos requêtes sur lesquelles vous êtes positionné. Ça veut dire que si vous ne suivez pas trop votre référencement naturel, n'avez pas d'outils pour le suivre, là, vous allez avoir, vous voyez là, il y a 11 000 mots-clés pour Google. Vous avez ces 11 000 mots-clés. Vous avez les positions moyennes. Vous avez toutes ces infos gratuitement. Là, les réseaux sociaux. Là, alors, je vous le dis, l'onglet réseau social de Google Analytics, il n'est pas transcendantal du tout. Il y a très peu d'infos. Moi, je ne suis pas fan. On essaie de le suivre avec d'autres outils. Ici, vous avez toutes les campagnes que vous allez faire. Vous aurez mis des tags UTM. Donc, pour les tags UTM, hop là, voilà, dès que vous avez des tags UTM, vous allez... alors ça, c'est les campagnes ads, elles sont automatiques dedans. Mais si vous mettez des tags UTM, vous avez vos campagnes. Là, je devrais y avoir écrit campagne LinkedIn, par exemple. Si je prends celle-là, je l'ai appelée comment campagne name, article LinkedIn replay. Donc ça, là, article replay. Si quelqu'un cliquait sur ce lien-là, ça veut dire que je le retrouverai ici. En nom ici. Donc, ça me permettrait de voir combien de gens ont cliqué, est-ce qu'ensuite ils sont restés sur le site, est-ce qu'ils ont regardé d'autres pages, est-ce qu'ils ont rempli un formulaire, etc., etc. Je continue, je reviendrai, vous inquiétez pas pour les questions après, je prends tout après. Comportement, alors celui-là, il est pas fun, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous donne, comme je vois l'heure qui tourne, il y a un ou deux trucs vraiment importants. Pour moi, ma prio ici, c'est toutes les pages vues de votre site. D'accord ? Moi, ce que je regarde toujours, c'est ça. Page de destination, en fait, c'est vos pages d'entrée. C'est la base. S'il y avait 3-4 trucs uniquement à regarder dans Analytics, page de destination, c'est super important. C'est les pages par lesquelles les gens rentrent sur votre site. Alors, je vous donne des petits tips. Quand vous avez 95%, bon là, c'est pas le cas, mais si vous aviez 95% des gens qui rentrent par votre page d'accueil, ça veut dire qu'il n'y a que votre page d'accueil qui se positionne. Ou vous faites des campagnes ads que vers votre page d'accueil, c'est pas bon.
En général, comme toutes nos pages se positionnent, les gens rentrent par d'autres pages et souvent on ne tilte pas là-dessus. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec des pages qui ne sont pas accueillantes. Donc, si c'est la première page que l'on va voir, c'est une autre page que la page d'accueil, ça veut dire que vos pages, on doit bien les comprendre. Quand vous regardez ça, ça va vous permettre de comprendre. Donc là, si je prends ce cas-là, on a 36% des gens qui rentrent par la page d'accueil, c'est très bien, et le reste qui rentre directement par des pages catégories ou des pages produits. Il ne faut pas que votre page d'accueil soit à 90%. Si vous avez un site e-commerce qui est bien référencé, bien positionné, en général, c'est 15-20% des entrées par la page d'accueil. Ça, c'est bien. Quand vous avez un site e-commerce et que vous avez 50, 60, 70% des gens qui rentrent par la page d'accueil, ça veut dire que vous n'avez pas un bon référencement. Voilà, tout bêtement. Donc, il faut vraiment arriver à petit à petit équilibrer le truc et avoir un maximum de pages d'entrée. Et truc super important, de regarder vos taux de conversion. Là, ici, hop là, pardon, les gens qui rentrent par ma home, je vois qu'au final, j'ai un taux de conversion de 71%. C'est pas mal. Mais regardez, si je descends plus bas, les gens qui rentrent par cette page-là, ils ont un taux de conversion de 3,60. Les gens qui rentrent par la page du store, taux de conversion de 6,40. Ça veut dire que cette page-là, elle est vachement mieux, celle-là, que ma page d'accueil pour convertir. Donc, je dois me dire, OK, si cette page, elle est beaucoup mieux quand les gens rentrent pour convertir, il faut que j'ai plus de monde qui rentre par cette page. Donc, quel est le référencement de cette page? Comment je la rebosse pour qu'elle remonte ensuite? D'accord? Alors, je continue un petit peu. Après, je prendrai toutes les questions. Bon, vitesse du site, c'est pareil. Les sites doivent être extrêmement rapides. Je vais être franc. Nous, la vitesse du site, on la regarde pas trop dans Analytics parce que c'est compliqué. Les données, elles sont un peu épuisantes, fatigantes. On va regarder. Vous avez plein d'outils. Vous avez Google, un truc qui s'appelle PageSpeed. C'est Google, un outil de Google. Vous avez GT Metrics, voilà, pour tester un petit peu les vitesses de vos pages. Super important. Votre site doit être ultra rapide, pour le mobile notamment et pour le référencement. Je continue rapidement. Site Search, c'est quand vous pluguez. Si sur votre site, vous avez un moteur de recherche sur le site, on peut le pluguer avec Site Search et du coup, vous saurez ce que les gens cherchent sur votre site. Je continue dans les trucs importants. Voilà, conversion. Ici, vous allez pouvoir suivre vos objectifs de conversion. C'est le truc que je vous ai montré au début, qui est hyper important. Mais effectivement, dans le chat, j'ai vu qu'il y avait des gens qui lâchaient. Donc voilà, là, sur un site e-commerce, il y a un objectif de conversion qu'on peut créer, qui est ce qu'on appelle le schéma de l'entonnoir. C'est très facile à créer. C'est comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit, moi, c'était juste pour du formulaire. Donc, j'ai juste mis l'URL de la page de remerciement de formulaire. Ça correspondra à ça. Pour créer l'entonnoir, quand vous êtes dans objectif, il y a écrit « Voulez-vous créer un entonnoir ?» Vous mettez « Oui ». Et là, vous voyez, ils l'ont fait. Là, ça doit être leur page panier. Ensuite, il y a une page de remplissage de quelque chose. Ensuite, les gens passent à la page de paiement, page de « Je dis OK ». On part dans le paiement et ça, c'est la page de retour. Donc, ça leur permet de suivre. Là, j'ai le panier au départ. Ça permet de suivre les gens qui se barrent en fait. Et le but derrière, ça va être d'analyser. Alors, désolé si c'est compliqué, là je monte un petit peu d'un cran, mais c'est ce qui va vous permettre d'analyser en e-commerce. Vous avez ici des onglets extraordinaires qui permettent de voir un petit peu ce qui se passe. Là, c'est le processus de paiement, pardon. Là, je vous montre l'entonnoir. Donc là, par exemple, j'ai l'entonnoir. Je vois ma déperdition. Il est très bizarre, alors entonnoir à Google. Normalement, on devrait tout avoir. Ça vous permet de voir entre le nombre de gens qui ont mis des produits dans le panier et le nombre de gens qui ont acheté à la fin, quelque part, ça vous permet de voir le taux d'abandon de panier. Donc, savoir qu'un taux d'abandon de panier, c'est 60, 70, 80% parfois. Et que quand vous devez optimiser votre site, par exemple, sur une optimisation UX de votre site Internet, votre prio, c'est d'optimiser ça. Pour les sites e-commerce, focalisez-vous d'abord sur l'entonnoir. C'est là-dessus que vous pouvez vite gagner des points, vite augmenter votre taux de conversion avant de faire le reste. D'accord? Et là, ensuite, vous en avez un qui est très sympa. Celui-là, pareil, e-commerce. Malheureusement, pour les autres, on n'a pas. Moi, celui-là, c'est un de mes chouchous. Ça, c'est toutes les sessions. Ensuite, là, j'ai les gens qui ont… Alors, c'est ce que Google appelle des micro-conversions. Là, c'est les gens qui ont regardé des fiches produits. Donc, 14 000 visites. Il n'y en a que 2100
97 qu'on regardait des fiches produits. Là, je vois Google a un problème. C'est un site Google. Normalement, je devrais avoir du monde. Ajout au panier, paiement, etc. Donc, par exemple, sur un de nos clients, il n'y a pas très longtemps, on venait de récupérer le site. On a constaté qu'il y avait très peu de pages produits vues. On a restructuré tout le site. On a explosé le nombre de pages produits vues. Maintenant, on essaie de faire exploser le reste. Donc là, vous avez vraiment des infos qui ne sont pas compliquées à analyser. Après, par rapport aux commentaires de gens qui sont un peu perdus, Analytics, on pourrait y passer 5 jours. Hein. Et enfin, dernier point que je vous montre, pareil. Donc là, pareil, alors celui-là, il est chaud. Mais ici, vous avez tout ce qu'on appelle les conversions, les chemins de conversion les plus fréquents. Moi, c'est un onglet que je recommande de regarder. C'est un onglet qui vous permet de comprendre les gens qui ont fait plusieurs visites sur votre site et qui ont acheté ou qui ont converti quand même, quoi. Voilà. Et là, ça vous permet de savoir. Là, j'ai que 88 chemins, ce qui est light. Mais de savoir, voilà, là, j'ai les gens avant de convertir, ils sont venus 2 fois, là, ils ont cliqué sur une pub. Et parfois, vous avez des gens, vous voyez là, 38 fois. Là, vous avez des gens, ils sont venus 40, 50 fois sur le site avant de convertir. Donc, voilà un petit peu la petite balade analytics. Alors, pourtant, j'ai essayé d'être light. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder les questions. Donc, je vais dans l'onglet questions et je vais essayer de répondre à un petit peu l'ensemble des questions. Donc, vous pouvez en ajouter d'autres et voilà, j'y vais un petit peu dans l'ordre. Donc là, je suis dans l'onglet questions. Donc, restez bien dans l'onglet questions. Alors, pour la mise en place monétique sur le site PHP. Alors, ouais, mise en place analytique, ça, effectivement, alors là, ça aurait été trop compliqué. Configuration des conversions. Alors, y a-t-il des astuces pour la configuration des conversions sur un site? Ça dépend si on a un site e-commerce, pas e-commerce. Si vous êtes un site qui n'est pas e-commerce, formulaire à remplir, bah, il y a une astuce toute bête, c'est déjà qu'il y ait bien, que vous ayez bien une page de remerciement post-inscription formulaire. Ce qui veut dire que le nombre de fois où cette page sera affichée, ce sera exactement le nombre de formulaires remplis. C'est une astuce toute bête, mais souvent, malheureusement, je ne le vois pas, ce taux de cette page de remerciement. Est-ce que Amazon a plus de 2% de conversion? Certainement, il fait partie des poids lourds. Taux de rebond acceptable pour un site e-commerce, pour moi, c'est 35%. C'est la moyenne, c'est la norme qu'on a. Donc, nous, on gère quand même des sites, on a de tout, mais on a quand même des sites qui sont à 10 millions, 15 millions, 20 millions d'euros de chiffre aussi. Et je vois bien que les sites qui ont des bons taux de conversion sont aussi des sites qui ont des taux de rebond assez faibles. Moi, vous savez, taux de rebond, c'est une seule page vue. C'est quand même, quand on va sur un site e-commerce, et qu'on ne regarde qu'une page et qu'on se barre, ça veut dire que franchement, on est vraiment, le site n'est pas clean du tout. Donc là, pour moi, c'est… Alors, attends, je vais ramener ça par contre. Hop, là, comme ça, vous verrez ce que je vous raconte aussi. Attendez, bougez pas. Hop, et j'arrête le partage. Hop, là, on est bon, on est bon, on est bon. Je ne sais pas si vous voyez les questions par contre, du coup. Bon, ce n'est pas grave. Tant que vous me voyez, c'est bon. Vous voyez les questions ou pas là? Dans le chat, non? Je ne sais pas si… Hop là, ouais, ça y est, je viens de voir ce que vous voyez. Ok, on est bon. Alors, je regarde. Donc, taux de rebond acceptable, pour moi, 35%. Facile de configurer la Search Console. Oui, super facile. En fait, alors, je vous explique. Donc là, ça, je monte un petit cran. Normalement, aujourd'hui, quand on veut tout installer sur un site Internet, il faut installer un outil qui s'appelle Google Tag Manager. Google Tag Manager, c'est un outil de Google avec lequel, une fois qu'il est installé sur votre site, vous allez installer Google Analytics, Google Console, etc., etc. Le plus simple. En général, la majorité d'entre vous avez un WordPress. Dans WordPress, allez chercher, vous avez des plugins qui sont des plugins de Google, donc d'installation d'outils de Google. Donc, c'est tout bête, vous installez le plugin, vous rentrez vos accès à votre compte Google et là, vous allez pouvoir installer Analytics, Search Console, Google Ads, etc., etc. C'est très, très facile quand on passe par les plugins. Sinon, il faut passer par du code. Après, vous demandez à un dev qui vous a fait le site, ça prend une heure d'installer tous les codes. C'est le code, effectivement, comment connecter son site avec Analytics. Déjà, il faut normalement se créer un compte Google Analytics. Donc, déjà, il vous faut un Gmail. Petite astuce, très grosse recommandation, créer un Gmail dédié à toute la galaxie Google.
il faut pas que ce soit votre Gmail à vous, le Gmail sur lequel vous recevez vos mails. Par exemple, nous, on a un Gmail, c'est multicompte.mindfruit@gmail.com. On a audit.mindfruit@gmail.com. Donc, créez un mail, nom de votre boîte, @gmail.com ou google.nomdevoteboite@gmail.com et n'utilisez que ce mail. C'est très, très important parce que si vous faites Google Analytics, Google Ads, Google Console, etc., et que ce n'est pas le même mail sur tous ces outils, vous allez vous galérer pour arriver à les fusionner et à les synchroniser. Donc, faites super attention avec ça. Faut vraiment, 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 vraiment faire attention. Je regarde, j'ai synchronisé mon site internet avec ma page web avec SiteGuide. Je ne sais pas ce que c'est, SiteGuide, désolé. Mes données apparaissent sur Analytics, il faut que je passe. Ouais, mais non, c'est pour ça. Il ne faut pas. Il faut aller dans le WordPress et dans le WordPress, dans le back-office du WordPress, c'est dans les extensions. Voilà, vous allez dans les galeries d'extensions, vous cherchez Google Analytics ou Tag Manager et vous verrez, il y a des extensions. C'est Google. Prenez toujours les extensions qui ont plein d'avis positifs et beaucoup, 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 beaucoup d'avis. Plus il y a d'avis, plus vous êtes tranquille, moins il y a de risques. Alors, deux nouvelles questions. Voilà, nom du plugin Google, je crois que c'est un plugin de Google, il me semble, tout court qu'on utilise, nous. Faut regarder nom du. Allez dans les plugins et regardez Google. Je suis désolé, Bon, attendez, je jette un coup d'œil. Extension. Google Analytics. WordPress. Regarde si je le reconnais ou pas. Je l'ai. Je regarde. Non, il y a Jetpack. Ouais, vous avez. Non, ça, c'est Google Analytics. Là, j'ai pas le truc de Google. Si, c'est celui-là, là. Google Analytics Dashboard. Ouais, je crois que c'est Google Analytics Dashboard qui doit être le bon. Mais après, cherchez directement dans les extensions, c'est le plus simple. Alors, pour installer Analytics sur Shopify, c'est des vacances, hein. Vous avez tout dans Shopify. Par contre, il faut avoir, par moment, il faut quand même créer au moins le compte avant. Je crois qu'il faut créer un compte Google Analytics avant. Quand vous voulez créer un compte Google Analytics, c'est tout bête, hein. Si vous n'aviez pas de compte Google Analytics, vous allez faire Google Analytics, tac. Vous allez cliquer là-dessus. Si vous n'avez pas de compte, bah, ce qui va s'afficher, c'est créer un compte. Me connecter. Le mieux, c'est vous créez un Gmail avant. Quand vous avez créé le Gmail, vous vous connectez dans Google à votre Gmail. Et quand vous êtes connecté, vous allez faire cette même recherche. Vous cliquerez là-dessus et du coup, vous pourrez vous connecter. Vous aurez tout de suite un accès à Google. Et là, Google va vous demander des infos sur votre site. Par contre, il va falloir installer sur le site le code de tracking. D'où l'avantage de le faire avec des plugins qui est beaucoup, beaucoup plus simple. Je suis en train de regarder. Attends, je regarde dans le chat. Est-ce qu'il y a eu des questions qui sont passées par le chat? J'ai publié un site, cela fait 2 semaines, en tapant un mot-clé comme le nom du site. Celui-ci n'apparaît pas. Est-ce que c'est normal? Alors, oui et non. Je vous montre une petite astuce. Mon onglet, on les voit, mes onglets, hein, quand je les mets. OK. Donc, il y a un truc tout bête. Si vous voulez savoir si Google a indexé votre site, vous tapez cette requête. Alors, je vais mettre dans Google pour que vous voyez mieux. Voilà, vous tapez site, 2 points, tout accroché. Par exemple, je vais mettre le mien. Hop là, pardon. .biz, hop là. Et là, je vois que Google a indexé 156 pages de mon site. Si je mets un site bidon, normalement, celui-là, il n'existe pas. Voilà, ça vous donne ça. Là, ça veut dire qu'il n'y a aucune URL de mon site qui est indexée. La personne qui a posé la question, si vous faites ça et que ça donne ça comme résultat, c'est que Google n'a pas encore indexé votre site. Si ça fait 15 jours, 3 semaines, voilà. Après, à partir du moment où vous mettez Google Analytics, il va trouver votre site tout de suite. Il y a un truc tout bête, très souvent, quand on développe les sites, on les met dans ce qu'on appelle du « no index ». Les développeurs mettent une balise pour que ce ne soit pas indexé. Et par moment, on oublie de l'enlever. Donc, c'est des petites choses comme ça.
Je regarde. Est-ce que j'ai raté des questions? Ça, c'est bon. Ah, pourquoi j'ai pris le point bis plutôt que le point fr? Oh, c'était une blague au départ, parce que c'était il y a plus de 10-12 ans que le point bis n'était pas utilisé et que ça me faisait marrer parce que bis, ça voulait dire business et tout le monde me posait la question. Je savais que tout le monde me poserait la question. Et quand les gens me disaient pourquoi le point bis, je disais eh, c'est pour le business. Voilà, c'était juste parce que ça me. Je le trouvais marrant le point bis. Existe-t-il des dashboards ou tableaux de la télé? Ouais, grave. Je vous montre un truc qui est top dans Analytics, regardez. Découvrir, ici, l'onglet Découvrir. Vous avez tous les outils de Google dedans. Et du coup, vous pouvez essayer notamment Data Studio. Il est où? Voilà, Data. Alors, je vous le dis, tant que j'y suis, tant que je me balade. Data Studio, c'est l'outil pour avoir des dashboards. Vous avez plein de templates, c'est une tuerie. Nous, on bosse qu'avec ça. Optimize, c'est un outil gratuit de Google pour faire ce qu'on appelle de l'AB testing quand vous voulez faire des variantes de pages. Voilà. Là, vous avez tous les centres d'aide Google Analytics qui sont très bien faits. Après, c'est plus costaud. Après, je vous le passe, Optimize, là, c'est plus costaud. Ouais, voilà. Google Tag Manager, c'est la base aujourd'hui. Le reste est costaud, quoi. Mais Data Studio, ouais, la personne qui a posé les dashboards, des Data Studio, ça se fait en automatique. Vous avez des centaines de templates. E-commerce, pas e-commerce, suivant ce que vous voulez, quoi. Merci pour le lol. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis là. Sinon, je réponds à tout. Alors, Il y a eu deux petites questions dans le chat. dans le chat. Je vais dans le Dans chat. le chat, voilà. Alors, que Françoise me nous a demandé combien était le bon taux de conversion sur mobile, dites-vous? un Il peu n'y plus a haut. pas de bon taux. Il y a surtout des mauvais taux. En fait, le problème, il faut comparer. Toujours dans Analytics, comparer les choses. Ça veut dire comparer vos stats entre ordi et mobile. Si vous avez un taux de conversion sur desktop, sur ordi, qui est par exemple de. J'ai dit quoi? Taux de conversion ou taux de rebond? C'était taux de conversion ou taux de rebond la question? Taux de conversion. Taux de conversion. Si vous avez un taux de conversion sur ordi qui est de 3%, bah sur mobile. Ce serait bien que ce soit à la moitié, 1,5%. Voilà. Si vous avez un taux de conversion ordi qui est de 5% et que votre taux de conversion mobile, c'est 1%, c'est trop. Moi, je me suis fixé un seuil de 2. Ça veut dire que mon taux de conversion desktop, c'est 2 fois le mobile. Dès que c'est au-dessus, on commence vraiment à faire gaffe. Et quand c'est 3 fois au-dessus, en e-commerce notamment, c'est que le site mobile, c'est pas top. Il n'y a pas très longtemps, on a détecté un gros problème sur un site e-commerce. Bah, c'était ça. En fait, dans le mobile, il y avait plein de soucis et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'achat mobile. Faites des tests d'achat sur vos sites avec mobile, vous-même. Vous verrez tout de suite que c'est un carnage, quoi. Dans quelle option de Google Analytics trouve-t-on les mots-clés que les clients... Bah, Google les donne plus. Les mots-clés, alors maintenant, on n'a que quelques trucs pour les mots-clés. Alors, je vous montre. Les rares trucs qu'on peut avoir pour les mots-clés aujourd'hui, la première étape, c'est la Search Console, où là, vous aurez les requêtes sur lesquelles globalement Google dit que vous êtes positionné. Il vous dit le nombre de fois qu'elles ont été cherchées. C'est ce qu'on appelle, voilà, les impressions globalement. Le nombre de fois où les gens ont cliqué sur votre résultat, d'accord? Ce qui vous donne un taux de clic. Voilà, c'est comme ça que vous avez les expressions. Alors, il y a un autre truc. Alors, celui-là, il est hyper bien caché. Dans campagne, ici, vous avez mots-clés naturels, mais il y a franchement plus grand-chose depuis 7-8 ans maintenant, 7-8-9 ans, parce que Google les planque derrière une fameuse annotation qui s'appelle le Not Provided. Donc là, il n'y a que dalle. Donc, c'est très, très compliqué. En fait, notre meilleure source de mots-clés aujourd'hui, malheureusement, c'est Google Ads. C'est pour ça que moi, je recommande parfois de travailler son ads aussi pour arriver à trouver des informations en termes de mots-clés sur ce qui est cherché. Ubersuggest. Alors, Ubersuggest, si ma mémoire est bonne, est passé payant même maintenant. Donc, je ne sais pas pourquoi Ubersuggest ne vous donne pas les mots-clés qui amènent du trafic sur votre site. Ce sont des outils qui vous permettent de trouver des idées de mots-clés. Il y en a plein. Il y en a des. Déjà, vous avez l'outil de Google Ads, même sans créer de campagne Google Ads. Hein, créez-vous un compte Google Ads. Dedans, vous avez un outil fantastique pour faire des études du marché des mots-clés. En outil marrant pour trouver des idées, il y en a un qui est top et je vous le dis, je suis en train de chercher le nom pour les questions. Answer the public. Vous avez un truc, c'est Answer the public.
Génial, moi j'adore. Vous mettez, je ne sais pas, une requête autour de votre univers, vous voyez, prospection B2B, logiciel ERP, Google Ads, cosmétiques naturelles, tous les derniers trucs que moi j'ai cherchés. Et ça vous donne toutes les questions potentielles que les gens cherchent autour de cet univers. Et ça vous donne plein d'idées pour créer vos pages, notamment pour le référencement naturel. Tant qu'on ne fait pas de campagne, ça ne coûte rien. Ben non, 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 Google Ads, vous pouvez vous créer un compte gratos. N'allez pas dans les annonces, enfin, ou créez vite fait, s'ils vous obligent à créer une annonce bidon, de campagne bidon, faites-la en bidon. Mettez-la en veille, ne mettez surtout pas la carte bleue et vous pouvez aller dans les outils. Et dans les outils, vous pourrez, voilà. Après, regardez, vous tapez outils, mots-clés, c'est des mines d'or, hein. Il y en a partout. 5 outils gratuits, voilà, 5 outils gratuits, 7 outils gratuits pour travailler les mots-clés, il y en a beaucoup. Je ne vous dis pas que c'est les mieux, hein. Voilà, vous avez. Alors, pour un petit détail, j'ai fait une vidéo, parce que j'ai fait un autre webinaire, désolé pour. J'ai fait un webinaire avec Pledzi l'autre jour, et j'ai mis le replay sur YouTube, juste ma partie, et c'est que là-dessus, justement. C'est comment trouver des idées de contenu, des idées. Elle est là, webinaire, trouver des idées de contenu. Alors, s'il y en a qui m'ont trouvé speed dans ce webinaire, bah, celui-là, mais il est top. Je me suis bien marré à le faire. Et je vous donne plein d'astuces gratuites avec toutes les requêtes avancées sur Google, tout ce qu'on peut récupérer, etc., etc. Tiens, et ça, pour info, ça, c'est un outil pour YouTube, pour optimiser le référencement des chaînes YouTube. Voilà, qui me permet de repérer beaucoup, beaucoup de choses. Quels sont les trois aspects à piloter dans Search Console? Les erreurs, tout ce qui est erreur. Faites super attention dans la Search Console, tout ce que Google vous dit au niveau du mobile, parce que l'algorithme de Google doit changer en mars et doit passer en 100% mobile. Donc, il faut être hyper carré. Dès que Google vous dit qu'il y a des erreurs mobiles, nettoyez, cleanez tout de suite tout ce qui peut être erreur mobile. Il faut regarder toutes les erreurs. Quand Google vous dit je trouve pas le sitemap, je trouve pas le fichier robot TXT, je trouve donc page d'erreur mobile, voilà. Dès qu'il y a du rouge quelque part, dès qu'il y a des erreurs, faut corriger, corriger, corriger. Et après, il y a autre chose, c'est regarder vos CTR, vos taux de clic sur les résultats. Quand vous avez des taux de clic très très faibles, bah, regardez la tête de vos résultats dans les résultats de Google, dans les SERP. Par exemple, vos balises métadescription, vos balises title qui sont pas optimisées, et du coup, les gens, ça leur donne pas envie de cliquer dessus. Bon, ça, c'est faut regarder les webinaires référencement. Je pense qu'ils l'abordent, c'est hyper important. Il y a un autre truc, Search Console, c'est le seul outil quand Google décide de vous pénaliser, puisque Google peut pénaliser vos sites si vous ne respectez pas ces règles. Et ben, c'est le seul outil dans lequel il vous préviendra. Il y a un onglet. Message, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle. Et dedans, si vous êtes pénalisé, vous indique pourquoi ils vous ont pénalisé. Ça vous permet vite de corriger le truc. Je regarde dans le chat, je vois que j'ai un point rouge. Alors, answer the public, nous avons le droit. Une... Ouais, bah oui, je sais. Bah, tout n'est pas toujours gratuit, hein. Ça a changé. Mais ouais, mais le gratuit, là, tous, vous travaillez et vous n'êtes pas gratuit. Donc, c'est normal que les outils ne soient pas tous gratuits. Voilà, si vous voulez, je vais être très clair, il y a un outil, il y a une plateforme. Si vraiment vous voulez travailler votre site, optimiser votre site, il y a un outil qui couvre tout le champ, c'est Semrush. Voilà. Semrush couvre tout le champ du SEO, du Ads, des réseaux sociaux, on peut tout faire avec ça. Mais il n'est pas gratuit. Il y a une petite base gratuite, mais ce n'est pas gratuit. Malheureusement, le web n'est pas gratuit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Alors, moi, je vais donner juste deux, trois petites précisions pour nous. Si vous avez d'autres questions après à me poser, allez sur LinkedIn. Ouais, bah, Semrush, c'est ça, Francis. Parfait. C'est le meilleur outil du monde, Semrush. Sur LinkedIn, hein, vous me demandez un contact. Si vous n'êtes pas en contact, vous me dites suite FolyWeb. Comme ça, je vous valide. Et on échange, il n'y a aucun souci. Après, bah, comme FolyWeb, je fais ma pub aussi. Faut savoir qu'on a aussi une plateforme de e-learning qui s'appelle OncleWeb, oncleweb.com. Si vous voulez en profiter, profitez-en vite. Parce que là, on est à 35 euros par mois avec des dizaines d'heures de modules. Sauf que d'ici 2 mois, ça ne va plus du tout être 35 euros par mois. Ça va être beaucoup plus cher parce qu'on a refondu toute la plateforme, quoi. Mon nom de famille, Guillaume. Et Ouzan.
Voilà, vous trouverez. Voilà, je suis trouvable. Pareil, YouTube, j'ai plein de vidéos, il y a plein de chaînes sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur LinkedIn, hein. Si vous avez des galères avec votre site, pareil, hein, si j'ai 5 minutes, je regarde. J'ai fini, je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup, Guillaume. Pas d'autres questions. Désolé pour ceux qui ont lâché au début, mais bon, pourtant, ce n'était pas hyper compliqué, hein. Mais analytique, Je c'est pas pense non que plus. les questions-réponses a bien aidé pour Ouais, mais faut récupérer un peu. analytique, c'est une mine d'or. Moi, j'adore analytics. Il y a tout dedans, mais ouais, c'est pas fashion feng shui, hein. Dire chez Google, s'ils savaient faire des outils sympas, ça serait quoi. Merci, Sarah. Merci à tous. Merci Guillaume pour ce webinaire.